15 signes qu'un homme vous trompe. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent, puissant de vous élever dans votre vie de femme, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de prendre cette belle part du gâteau. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bons apprentissages, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de tromperie, de trahison, du fait que vous pensiez que l'homme avec qui vous étiez était un homme honnête, un homme louable, un homme droit dans ses baskets, et en fait, il est fourbe, en fait, il vous a trahi, en fait, il n'est pas digne de ce nom. Pourquoi ? Bien que l'on puisse éprouver du désamour, bien que l'on puisse ne plus se sentir à notre place dans une relation, eh bien, nous devons faire les choses proprement. Et si aujourd'hui, vous vous apercevez des signes que nous allons partager ensemble dans cette vidéo, bien évidemment, faites attention, car nous devons être vigilantes par rapport à tout ça. Cela ne veut pas dire que cet homme vous trompe, cela ne veut pas dire que forcément il y a anguille sous roche, mais vous devez prendre ça en considération et creuser pour voir si éventuellement ce que vous ressentez est juste et vrai. Parfois, nous ne voulons pas voir la vérité. Parfois aussi, nous ne sommes pas les bons juges pour percevoir ce qu'il se passe vraiment. On est aveugle, on fait trop confiance, on veut être aligné avec ce que l'on croit, fermement. Ou alors, on est dans le déni parce que la vérité fait trop mal et on continue à vivre comme si de rien n'était. Mais que ce soit l'une partie ou l'autre partie, nous devons avoir la clarté sur tout ça pour avancer positivement. Car que l'on soit trop suspicieuse ou trop confiante dans les deux cas, eh bien, vous avez en soi un rôle à jouer. Vous avez un rôle qui est de compiler tout ce que je vais vous dire pour voir si oui ou non vous vous retrouvez dans cette situation. Le premier signe dont je vous parlerai, c'est que vous vous apercevez que cet homme, votre homme, qui était normal, hein, qui menait sa vie normalement, va commencer à prendre soin de lui. Vous allez voir par exemple qu'il va changer de look, vous allez voir qu'il va se mettre au régime, peut-être qu'il perdait ses cheveux, il va faire des implants capillaires, etc., etc. Encore une fois, comme je vous l'explique, ne prenez pas ces signes de manière isolée comme des vecteurs de trahison, mais mis bout à bout, cela peut être significatif. Le deuxième point, c'est qu'il a toujours son téléphone avec lui. Avant, il le laissait de côté, il le mettait dans le vide-poche, au moins le soir quand vous étiez ensemble, il ne l'avait pas avec lui. Et aujourd'hui, il l'a toujours avec lui. Ce changement, encore une fois, doit vous mettre la puce à l'oreille. Le troisième signe, c'est qu'il change son rythme de travail. Vous le voyez avoir des réunions très tard le soir. Peut-être parfois devoir ressortir le week-end. Ou encore une fois, partir en séminaire alors qu'avant, il ne le faisait jamais. Ça aussi, soyez vraiment vigilante. Le quatrième point, eh bien, il a des sauts d'humeur pour rien. Il est sur la défensive. Un rien l'irrite. Vous l'irritez. Vous avez la sensation qu'il ne vous supporte plus. Là aussi, c'est un signe qu'il faut véritablement creuser pour voir si c'est une période ou s'il y a quelque chose derrière tout ça. Le cinquième signe, c'est qu'il est distant, indifférent. Vous lui parlez de la rentrée, des activités où vous allez inscrire les enfants, il s'en fiche. Vous lui parlez de projets, peut-être des projets immobiliers, il s'en fiche. Vous lui parlez de futures vacances, il s'en fiche. Tout ça, ce sont de mauvais signes. Sauf si, par exemple, vous le voyez dans une période de travail très lourde ou que vous voyez qu'il a des problèmes, etc., etc. Hormis tout ça, cela doit vous alerter. Le sixième signe, votre intuition parle pour vous. Vous avez un sixième sens qui vous dit qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose derrière tout ça, derrière ce sentiment d'insécurité et d'inquiétude. Il faut vous écouter.
Le septième point, quand vous lui demandez des explications, quand vous cherchez à parler avec lui, quand vous avez envie d'établir le dialogue ou que vous lui posez des questions, tout simplement, il ne vous regarde pas droit dans les yeux. Vous sentez qu'il a le regard fuyant, vous sentez qu'il vous évite. Il a sûrement quelque chose à cacher. Un homme qui change de comportement, ne vous regarde plus dans les yeux, ne répond pas directement à ce que vous lui posez comme question ou à côté de la plaque ou qu'il évite, c'est un souci en soi. C'est une alerte en soi où vous devez encore une fois aller plus loin dans tout ça. Le huitième point, vous fréquentiez un cercle d'amis, vous aviez l'habitude de vous voir et ces amis sont gênés. Vous sentez qu'il y a un malaise, vous sentez que, je ne sais pas, vous ne pouvez pas parler avec les autres sans qu'il y ait une certaine gêne. Peut-être qu'ils sont au courant de quelque chose, peut-être qu'ils n'osent pas tout vous dire puisque c'est quelque chose de très intime, mais en soi, comme la plupart du temps, lorsque l'on est trompé, on est la dernière personne au courant, les autres le sont avant nous et c'est de cette manière qu'ils le démontrent. Le neuvième point, il va devenir jaloux. Souvent, nous véhiculons ce que nous nourrissons en nous. Et je vais prendre un autre exemple pour que vous compreniez. Quelqu'un qui est radin remarquera la radinerie chez quelqu'un d'autre parce que c'est quelque chose qu'il a déjà en lui. Et quelqu'un qui trompe, donc qui est effectivement au cœur du sujet, va avoir des présomptions pour les autres personnes puisque c'est quelque chose qu'il a en lui. Donc faites attention à ça. Si votre homme devient très jaloux du jour au lendemain, il est suspicieux, curieux, il vous pose des questions, il y a sûrement anguille sous roche. Le dixième point qui devrait vous alerter, il a des dépenses qui ne sont pas normales. Il a des dépenses peut-être à l'hôtel, il a des dépenses en restaurant, il a des dépenses qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir. Ça, encore une fois, c'est flagrant. Et vous ne devez pas laisser passer ça. Vous devez être très, très vigilante par rapport à tout ça pour avoir des explications. Surtout, surtout, si c'est l'argent du ménage, si c'est l'argent du foyer. Le onzième point, eh bien, vous allez le sentir coupable. En fait, sachant ce qu'il fait, sachant que ce n'est pas bien, sachant que son comportement n'est pas bien, il va se sentir coupable. Donc, il va vous faire des cadeaux. Il va vous inviter pour compenser. Il va essayer d'être encore plus présent pour compenser. Parce qu'il ne se sent pas bien, parce qu'il sait ce qui fait qu'il n'est pas bien. Et c'est pour ça qu'en soi, cet homme va essayer de donner le change, d'essayer de compenser ce qu'il a fait. Et ça, encore une fois, vous devez être vigilante, surtout s'il n'avait pas l'habitude d'être comme ça. Surtout si vous voyez, vous constatez que son comportement est différent. Le douzième point, vous lui saviez un appétit sexuel assez grand et puis là, non, il est fatigué pour le sexe. Il a plus d'énergie, plus de temps, plus d'intention de passer du temps sous la couette avec vous. Ça encore, vous devez être vigilante. Treizième point, il n'est pas aligné avec ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il vous avait dit une certaine chose et puis en reparlant, il dit le contraire. Bref, vous le surprenez à se reprendre. C'est pas très clair ses explications. Ça aussi, c'est très bizarre. Quatorzième point, vous le voyez évasif. Peut-être qu'il y a des moments où vous le sentez distant, mais dans le sens où il pense, il réfléchit, vous ne le sentez pas là. Il n'est pas là, en fait. Il est là physiquement, mais intellectuellement, émotionnellement, il n'est pas là. Il est rêveur. Et ça, encore une fois, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et vous devez creuser pour savoir exactement de quoi il en retourne. Et le quinzième point est un prolongement de son état. C'est-à-dire que, étant donné que vous le retrouvez évasif, solitaire, il peut aussi être triste, avoir des moments de tristesse. Vous le ressentez bien qu'il est pris entre deux feux. Il est peut-être justement à se poser mille et une questions. Et là, il faut agir. Donc, mesdames, ces 15 points ne sont pas exhaustifs. Ce ne sont pas des choses aussi où il faut prendre tout ça au pied de la lettre. Vraiment, il faut les contextualiser. Il faut véritablement qu'il y ait beaucoup, beaucoup de points pour que cela puisse vous alarmer. Si vous vous retrouvez dans une situation délicate, si aujourd'hui vous sentez que votre couple est en train de battre de l'aile, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne restez pas comme ça. Venez candidater à un diagnostic offert afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse vous apporter des clés concrètes pour repartir sur de bonnes bases, pour reconstruire une belle histoire et faire en sorte que cette étape
peut-être d'isolement, ne soit que temporaire et que vous puissiez retrouver l'harmonie au sein de votre relation. Le lien est juste en dessous. Cliquez dans le lien, venez candidater et nous verrons ensemble donc votre situation. Mesdames, cette vidéo est terminée. Je vous embrasse et moi, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.